Qui dit grosse émission dit sketch mythique. Et ce soir, ils nous font un très très beau cadeau puisque Cad et Olivier sont avec nous pour un Camoulox. C'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du Camoulox. Notre premier candidat s'appelle Didier. Bonsoir, je m'appelle Didier, je viens d'un petit village du centre de la France qui s'appelle Lyon. Lyon, belle crinière. Vous êtes marié, Didier? Non, je suis pas marié, je fais du tuning. Des hobbies peut-être? J'en ai volé deux sur le tournage du Seigneur des Anneaux. Que faites-vous dans la vie? Je suis prostitué. Prostituée, c'est-à-dire? Je collectionne les objets ayant appartenu à Alain Prost. Très bien, notre deuxième candidat se prénomme Luc. Oui, bonsoir. Je m'appelle Luc Nemopoulet, j'ai 13 ans et demi, et j'habite sous l'eau. Sous l'eau? Sous l'eau, en apnée, vous voulez dire? Non, sous l'eau, c'est un petit village dans le Limousin, il s'appelle Sous l'eau. Voilà. Une passion peut-être? Oui, la levrette avec des semi-rigides. Très bien. Merci pour ces précisions. Vous faites quoi dans la vie, Luc? Alors, je suis artiste peintre boulanger. C'est-à-dire? Je peins sur du pain. Bien. On en profite pour saluer les baguettes qui nous regardent. Des oui, enfants? Oui, j'ai 4 enfants, 2 filles. Oui, bien sûr, j'ai 4 enfants, 2 filles, un garçon et un albatros. Pardonnez-moi. Très bien. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Voici donc la première manche du Camoulox. Luc, le tirage au sort vous a désigné, c'est à vous d'ouvrir le bal. Très bien. Amira Kazar ou Trivago? Alors, attendez. Alors, je passe mon bac et je pète sur du parquet flottant. Parquet flottant. Oui. Bien joué, Didier. Merci. Je dois tango gothique. Eh non. Vous ne pouvez pas, Didier, il y a Maître Gims qui s'auto-coiffe en case risotto. Ah oui. Ouais, ça fait pas. Je contre. Et c'est une carte chance. Ah. Attention, c'est parti. Goldorak. Anorak. Michalak. Cacolac. Armagnac. Et non, Luc. Ouais, ouais. L'armagnac ne fait pas partie de la famille des mots rigolos qui se terminent par hack. Très bien. Vous avez une pénalité de 10 secondes. Qu'est-ce que vous choisissez, Didier? Toile de jute ou bec de lièvre? Je rote en vélib et j'aspire un pitbull. Pitbull. Luc, c'est à vous. J'écris mon nom dans la neige avec du pipi. Ouais. En majuscule? Oui, en majuscule. Combien pesez-vous, Luc? Gilberto Gil. Très bien, vous gagnez 4 millions d'euros. Qui a dit? Caracas. Non, c'est Émile Zola. Vous nous devez 4 millions d'euros. Est-ce que je pourrais payer en nature? Oui, bien sûr. Attention, on poursuit avec la deuxième manche. Je vous rappelle que dans cette deuxième manche, vous n'avez pas le droit. Nous recherchons quelque chose. Oula. Je prends le double 7. Didier, c'est à vous. Je dessine des moustaches à mes fesses et j'insulte un scout. Bien joué, Didier. Malheureusement pour vous, Luc, vous tombez en case, pull Angora, 5 secondes de Gypsy King avec la voix de Galabru. Bravo! Pas facile. Mais c'est validé pour le cruchot. Didier, je déclenche le chronomètre. Je tente le pot-au-feu malgache. Vous avez le droit, attention Luc, Vie ma vie ou Bruce Toussaint? Camoulox! Très bien joué Luc! Yeah! Vous avez profité du saut pour gagner ce Camoulox! Vous repartez avec la collection complète ainsi qu'un four à glace! Camoulox! Un petit mot avant de se quitter? Bis, sac. Merci, bonsoir et pourquoi pas? Merci! Et j'aimerais qu'on applaudisse également Manu. Manu qui était avec eux. Et Manu qui faisait déjà le Camoulox dans la grosse émission, hein, Dominique. Oui, désolé de t'interrompre, mais il faut que j'aille pisser. Vous voulez aller faire pipi? Oui.